Bienvenue sur Téternel en ce 26 janvier, l'an de grâce 2018. J'ai bien envie de vous dire que baisse du CGT quand même. Bienvenue du Conseil Galactique Temporel sur Téternel. Morceau de télé de merde. Alors, on va dire en premier, on va dire deux citations. Fais gaffe, parce que si tu touches le bouton, après tu vois plus rien. On va dire les inconnus. Comme ça, citation. Ne pas prendre les gens que pour des cons, mais ne pas oublier qu'ils le sont. C'est vrai. Tas de brebis aseptisées qui ne comprennent rien. Bon. Deuxième citation, Coluche. La publicité, c'est vraiment pour les débiles mentaux. Ok. C'était super. C'est exactement ça. Sur Téternel, tu verras jamais une pub. Et pourtant, j'ai pas un rond, je ramasse de mégots, en plus, je vous emmerde. Enfin, faut pas dire comme ça, les gens du pouvoir. Je me comprends. Bon. Ce soir, c'était tellement de la merde à la télé que je me suis tiré. Et demain, c'est The Voice, c'est pire. Même au Bispo, là, au Bistrot. Là. Non, on peut pas vendre son âme à ce point-là, c'est pas possible. Les 40 ans de Godman, tu sais, God ceinture ou quoi, tu sais. Il faut du fugicide, là, bientôt. Je sais pas. Morceau de merde. Et les gens, ils applaudent. Non, mais c'est de la merde. Quoi que je faxe. Non, 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 non. Et demain, Tata va dire, ah, t'as pas mis ma voix, pour dire The Voice. Non, c'est pas possible. Surtout que cet après-midi m'a encore énervé. Il y a que l'après-midi qui était bien. C'était avec Michel. On a mis un vieux jazz, là, un truc. Et puis après, le Ten Years After sur les bols d'or 84, 85, 86. Et apparemment, je suis seul qui a le bol d'or 89, vu qu'il n'y en a pas sur Internet. J'ai des machines de merde. J'arrive pas à le graver, j'arrive pas à le machiner. Faudrait le monter, tu vois, faudrait faire quelque chose. Mais il n'y a pas de matos. C'est Éternel, il a sa bite et son couteau. Il a même pas le couteau. Enfin, bref. Moi, j'ai le bol d'or 89, attention. Pas mal, quand même. Ça va intéresser plein de monde, je suis sûr. Bon, tout ça pour dire quoi? Je vais faire un petit texte. Je vais expliquer la conversation, justement, avec Michel. Là, justement, pendant qu'il y avait de la daube à la télé, j'ai écouté de la daube en boîte. Bœuf Bourguignon Carrefour. Bah, c'était carrément infect. Bon, pas infect à... Sur une échelle de 0 à 20, 0,8. Vous savez ce que c'est qu'une daube ou qu'un bœuf bourguignon? Ah, c'est pas une boîte Carrefour. Hein. Morceau de merde. Je m'étonne qu'ils licencient tout le monde. Ils vendent de la merde. Les industriels foireux, les trucs... Comme Areva, c'est comme tout ça, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Vous faites de la merde sur Terre. Moi, je vais lancer ma nouvelle campagne, là. Je sais pas, ça va commencer dimanche, peut-être après le rallye de Monte Carlo. Bon, il y a des bagnoles, ça vaut de la thune. Petit cousin, il fait l'assistance, enfin la sécurité. Là, je suis complètement pas bourré. Mais carrément, j'ai le feu pour dire, vous faites de la merde. Et vous en rendez même pas compte. L'avilissement général programmé. Morceau de débiles mentaux. Mais même les trisos, ils comprennent mieux que vous. Même les autistes. Non, mais sans déconner. Vous n'avez pas marre d'être con? C'est quand la révolte, là? Tout le monde dans la rue, là? Une nouvelle constitution planétaire. Vos frontières de merde et toutes vos conneries, là, le visa Schengen, tout ça. Mais c'est que de la merde. S'il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de voleurs. Si on partage, on partage. Et si on met les molécules à leur place, il y a du boulot pour tout le monde. Puis il faut arrêter un peu avec la machinerie, là, les machines, les 3D, les 4D, la 4G, la 7G. La... Oh! Vous voulez vraiment devenir débile mentaux? Bon, remarque, vous y êtes déjà. Hein. Putain, je suis le gardien du temple. Je sais pas, moi, de l'esprit. Oh! J'avais 11 ans, j'écrivais dans les méandres du temple de la synagogue sacrée. Ah ouais? Ça télépathe?
Eh ben, ça va téléporter même. Tu vois quoi? Les voies du Seigneur sont impénétrables, mon cul, hein, mais elles sont téléportables. Voilà. Franc-maçonnique sa mère. Ah ouais. Les bouts rouges à la Manuel Valls. Il mal rasé. C'est la mode en ce moment, le barnouin, même le gadas, là, je sais pas quoi. Il se rase plus. Je ne suis jamais plus ou moins rasé plus. À la foutre. L'important, c'est l'essentiel. L'essentiel sensoriel. Quand tu regardes le ciel, tu crois que c'est toi qui regardes le ciel. Mais non, c'est le ciel qui te regarde. Quand il y a beaucoup de vent, c'est papa qui est en colère. Il s'énerve, il crie fort. Quand il pleut beaucoup, c'est maman qui pleure sur ses enfants. Je parle de papa et maman de l'esprit. Mais vous ne pouvez pas comprendre, vous n'en avez pas. De toute façon, on ne l'apprend pas à l'école. Ça se découvre tout seul. Il existe des fonctions cognitives que la science moderne ne comprend même pas 10%. Vous faites de la merde. Si, il y avait une bonne nouvelle aujourd'hui. J'ai fait le sport avec le Xapa, là. La gym avec, bon, moi je dis les alcooliques et les drogués, mais faut pas dire ça. On va dire les utilisateurs. Je sais pas comment on dit, les consommatifieurs. Bref. Eh ben, c'était génial. Voilà. J'aime bien de rencontrer des humains. Le mardi, c'est le yoga. Le vendredi, c'est la gym. Puis il y a des activités. Puis il y a des trucs. Mais eux, c'est des humains. Ça crée une famille. Enfin, c'est comme le jeu de cette famille. Vous allez arriver au bout d'un moment, on va y arriver à comprendre la supraconduction synapsoïdale. Ça veut dire ça. Et bon, il y a l'ADN du sang, ça c'est dans ce sens-là. Mais il y a l'ADN de l'esprit, ça c'est dans ce sens-là. Pourquoi vous comprenez rien? Ben parce que vous cherchez pas à comprendre, c'est pas compliqué. Les réponses à la télé, à la trust. Hein. Vos idées sont fondées par overdose de télé. Je ne peux que prêcher la déraison, la destruction. En fait, c'est ça. Moi, quand j'ai dit l'eau, elle va monter, je croyais pas si bien dire. Encore, elle n'a pas passé les 10 mètres. Vous croyez en rien. T'as ton aérobase. Y a ton Dieu, directeur d'induction d'énergie universelle, qui fait battre ton cœur. Si tu ne sais pas pourquoi il bat ton cœur, c'est pas pour faire de la merde. C'est pas pour ton petit chiotte, ton petit frigo, ton Carrefour de merde, ton Auchan de mes couilles, ton Intermarché de mes deux. Non, non. Si tu es là, là, ici-bas. Tu dois faire partie de la vie sur Terre. C'est pas ta vie, c'est pas ton petit toi. C'est ton grand moi. Enfin, bon, moi, je sais pas le dire. Hein. J'ai pas fait l'ENA, j'ai pas appris à mentir au peuple. Hein. Bon. C'est comme un homme politique. Prendre ça, c'est apprendre à mentir au peuple. Bon, tout pour nous, rien pour vous. Et tu te fais enculer. Non? Bon, enfin bref, maintenant je vais faire mon petit texte. C'était envoyé spatial pour t'éternel. C'est à vous, cognac, j'ai pas. Et c'était pour dire les trois oléphants. Les trois oliphants. Ça, c'est les monothéistes, on va dire. Tu vois? Le problème, c'est que E égale un demi de MV2. Lui, il a été relaxé pour avoir convoyé des migrants. Mais je l'aime bien, lui. C'était le début de Nuit Debout. Nous, on était là pour Crise Cosmique. Bon, en fait, c'était moi. Mais c'était pas Crise Cosmique, c'est Crise de Nice. C'était l'éternel. Pas pareil. Mais, sauf que j'ai plus de bâton pour mon pistolet à colle, pour scotcher, pour coller le mal. Tu vois? Mais quand même, c'est marqué un en Christ. Là, t'as le bocal, haute forme. Et t'as le calendrier. La clé de.
que je croyais qu'elle ouvrait à la place Garibaldi et l'église d'Ifrane au mariage. Ah ouais? Reporter sans glacière, envoyé spatial pour t'éternel, c'est à vous cognac que j'ai pas, et ça y est, j'en ai marre. Bon. Tant que ça parte, ça va être au moins 3 heures encore.